Vous êtes sur la Panafricaine Média 1. Merci de nous rester fidèles. Très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre émission Génération News. L'émission qui prend à cœur toutes les problématiques liées à la jeunesse, mais également tout ce qui concourt à développer l'intellect de cette jeunesse qui représente évidemment l'avenir de notre magnifique pays. Génération News, une émission faite pour les jeunes et par les jeunes. Et vous connaissez le procédé de l'émission, scindée en deux parties. La première partie, avec mes invités, nous allons faire un focus sur l'anniversaire. Pourquoi aujourd'hui c'est important de fêter son anniversaire? Eh bien, des éléments de réponse en première partie d'émission. En deuxième et dernière partie d'émission, pas très loin de la première thématique, nous allons parler de la croissance. J'entends par là le fait de grandir. Pourquoi certaines personnes ont un petit peu peur à l'idée d'avoir un chiffre de plus sur son âge? Eh bien, des éléments de réponse évidemment en fin d'émission avec des invités. C'est des sons des habitués évidemment de ce plateau Génération News. Il s'agit de Fabre. Fabre, vous êtes étudiant en journalisme et communication. Merci d'avoir répondu à l'invitation Génération News. Merci Régis, c'est toujours un plaisir de prendre part à cette émission. Et nous avons également le plaisir de recevoir à nouveau sur ce plateau, il s'agit évidemment de Luxin Ron. Merci en tout cas d'être des nôtres aujourd'hui sur ce plateau Génération News. Merci Régis et à toute l'équipe de Média TV pour l'invitation. Super mon cher. Alors nous allons terminer cette phase de présentation avec la seule femme de ce plateau, une habituée évidemment, Talita Perle. Merci d'être des nôtres aujourd'hui sur ce plateau de Génération News. Merci pour l'invitation. Talita, je reste avec toi pour démarrer évidemment cette première partie d'émission. Je l'ai dit dans mon introduction, nous allons parler un petit peu de l'anniversaire, l'impact aujourd'hui un petit peu de cet événement dans notre vie. Pourquoi, ma chère Talita, c'est important pour certaines personnes ou pas de célébrer l'anniversaire? Déjà, la petite question, c'est quand ton anniversaire? Est-ce que c'est déjà passé ou pas encore? Pas encore et je n'aime pas trop. Donner ma date d'anniversaire, sinon après, les autres autour vont te faire une surprise. D'accord, et ils vont on ne veut parler. Pas la date, mais peut-être le mois. Juin. Juin, d'accord. Donc c'est dans 6 mois, pour être plus précis. C'est dans 6 mois, d'accord. Et c'est aussi un 6. C'est aussi un 6. Ah, oh, mais j'ai trahi. Bah, trop tard. Donc en fait, c'est le 6 juin. Oui. Voilà, on a la date, c'est officiel, le 6 juin. Du coup, comment tu arrives à célébrer ce moment très important pour toi? Est-ce qu'il y a justement l'organisation de cet événement appelé anniversaire? Bon, personnellement, surtout depuis que je suis étudiante à Dakar, je ne fête plus mon anniversaire. Parce que je considère que ce type d'événement se fait en famille, ouais, avec des personnes proches, parce que c'est un an de plus avec nos proches. S'il faut fêter, s'il faut aller dans l'optique qu'il faut fêter cet événement, c'est un événement qu'on fait avec des proches, donc personnellement, non, je ne vois pas trop l'importance, surtout quand tu es étudiant à l'étranger, tu es tout seul, de fêter son anniversaire. Mais c'est quand tu dis, quand tu ne vois pas l'importance en étant étudiante, c'est ton cas, c'est beaucoup plus lié à quoi? À l'aspect financier, c'est-à-dire que en étant étudiante, je dois devoir dépenser pour organiser mon anniversaire? Non, même pas. Moi, je parle plus dans le contexte que pour moi, personnellement, c'est un événement qu'on fête en famille. Parce que c'est avec mes proches que je me rends compte que j'ai un an de plus, je vois ma mère, je vois mon père. Ouais. C'est plus dans ce sens. Donc, voilà pourquoi, c'est pas tout le temps financier. Un anniversaire, surtout à Dakar, on part n'importe quel restaurant. Le budget, il est assez... Ouais, c'est abordable, c'est comme abordable, on dit. C'est abordable, en fait. Ouais, c'est assez abordable. Donc, c'est plus avec qui fêter cet événement. C'est plus parce qu'aujourd'hui, on a des personnes qui fêtent leur anniversaire, c'est juste pour le paraître. Mais est-ce que ce n'est pas le cas aujourd'hui pour toi? Je veux dire, il n'y a personne aujourd'hui avec qui tu peux t'asseoir, souffler cette bougie. Ça peut être un ami, un collègue, quelqu'un avec qui tu es très proche. J'ai aussi ma grande sœur, ouais, j'ai ma petite famille ici, mais ça va peut-être être blessant, mais ouais, c'est pas la même chose quand t'es avec, avec papa, avec et maman. D'accord. Et Fabre, c'est que notre amie Talita vient de souligner, elle parle surtout du fait de célébrer ce moment aussi important avec sa famille, en l'occurrence papa et maman. Mais est-ce qu'à la base, c'est pas un moment qu'on célèbre tout seul? Je crois que célébrer un anniversaire tout seul, c'est quand même assez difficile. Parce que c'est déjà un jour assez particulier. On parle de l'anniversaire d'un individu. Ouais. Donc l'année a 12 mois. Non, mais quand on parle de célébration, on a beaucoup plus le côté festif. Mais la célébration peut être aussi dans un côté un peu plus sobre. C'est-à-dire, en étant seul dans ma chambre le jour de mon anniversaire, je peux le célébrer en faisant un bilan introspectif, de voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Ça reste une célébration, mais pourquoi on a tendance à lier l'anniversaire à ce côté festif?
Justement, bon, pour certaines personnes, il y a cette capacité de célébrer l'anniversaire, tout seul. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de difficulté. Tandis que pour d'autres, on aimerait pouvoir partager sa joie avec un peu plus de monde. Voilà. Ouais. Donc, moi, je vais par exemple rejoindre le point de vue de Talita. Voilà. Quand elle dit qu'elle ne voit pas, par exemple, la nécessité de le faire avec tout le monde, ben, ça, je suis d'accord. Bon, me concernant, il m'arrive, même si ce n'est pas tout le temps, quand je veux fêter mon anniversaire, qu'est-ce que je fais? Je suis dans ma chambre. Je réfléchis. Si je peux prendre un jus, je le prends. Mais surtout réfléchir, parce que je ne trouve pas la nécessité de célébrer un anniversaire. Pour s'accrocher justement à la thématique, mon cher Fabre, désolé de t'interrompre, ça sert à quoi fêter son anniversaire? Alors, si je dois être gentil, ça sert à peu de choses. D'accord. Mais comme mon objectif n'est pas d'être gentil, je crois que ça ne sert quasiment à rien. D'accord. Pourquoi ça ne sert à rien? Parce que simplement, je crois que les anniversaires qui sont célébrés, on va dire de nos jours, n'ont quasiment aucun lien avec ces anniversaires que l'on célébrait autrefois. Ouais, et c'est surtout que même, il y en a qui arrivent à décaler. C'est-à-dire, s'il est né le 8 février, il va célébrer en différé. C'est-à-dire, il va célébrer 10 jours après. Et du coup, on n'est pas né le 10 février, mais on est né le 8. Donc, il y a ce gros décalage. On a surtout l'impression qu'on veut faire plaisir aux autres, voilà, ou bien on veut affirmer son statut social aux yeux des autres. Mon cher Luxin, ton anniversaire, c'est quand déjà? Je suis du 12 août. Le 12 août, oui. Bah, c'est encore loin, donc ouais, c'est dans quelques mois. Justement, comment tu prépares cet événement? Comment en général tu célèbres? La question n'est pas très loin de celle que je posais à Talita. Mmh. Comment tu prépares cet événement très important pour toi? Cet événement, pour moi, je vais rejoindre un peu Talita. D'accord. C'est vrai que c'est un événement à partager avec notre famille, ouais, les gens qu'on aime. Mais depuis que je suis à Dakar, je vais dire que je n'ai pas forcément de la famille ici. Mmh. Mais je me suis créé une famille. D'accord. Par mes amis. Évidemment. Mes amis ici, c'est eux qui... On va dire que c'est ma famille à Dakar. Bah, logique, les amis progressent et deviennent les membres de la famille. Et le jour de mon anniversaire, comme par exemple celui qui est passé, ils m'ont fait un anniversaire surprise. D'accord. J'étais à la maison, on n'avait rien prévu. J'étais là et ils sont arrivés. Est-ce que toi, en général, tu célèbres ça? Je veux dire, tu te lèves un matin de dire « c'est mon jour, j'organise ». Oui, il y a des moments, mais pas tout le temps. D'accord. Pas tout le temps. Moi, voilà, c'est le pas tout le temps qui m'intéresse. Pourquoi? C'est ça. On peut dire qu'il y a des problèmes. Parfois, ça peut être financier. Ou d'accord, parfois, on n'est pas vraiment dans ce mood de vouloir faire la fête. Ou voilà quoi. Donc, on a besoin d'être un peu seul avec nous-mêmes. D'être un peu seul et essayer de réfléchir. Et voilà quoi. Une introspection. Est-ce que c'est justement cette façon assez simple? Toi, tu le fais souvent, faire un bilan introspectif? Oui, oui, oui. Est-ce que pour toi, c'est pas la meilleure façon de célébrer son anniversaire? Pas forcément. D'accord. Pas forcément la meilleure façon, parce que il faut le faire parce que un an de plus, c'est on grandit. Ouais. Plus on grandit, et il faut avoir une certaine vision. Selon les projets qu'on s'est fixés dans la vie, la vision qu'on a de la vie, essayer de voir s'il y a des objectifs que j'aurais dû atteindre qui n'ont pas été atteints. Ouais. Et voilà quoi. Et de voir comment justement poser les bases pour cette bougie. Cette nouvelle année et puis cette nouvelle bougie. D'accord. Talita, moi je vais revenir effectivement sur ce que Luxien vient de souligner. On a parlé de l'importance aujourd'hui de l'anniversaire. Je pense que Fabre et toi, vous êtes un peu partagés en disant on n'est pas obligé de célébrer cet événement-là. Mais je veux dire, est-ce qu'aujourd'hui, avec l'avènement des réseaux sociaux, avec l'avènement aussi des télé-réalités, je pense que vous vous souvenez tous de ce programme? On l'a tous regardé quand on était plus jeune, Mon incroyable anniversaire. Est-ce que ce genre de programme n'a pas un petit peu influencé aujourd'hui beaucoup de personnes dans le sens de se dire, c'est un jour, déjà c'est mon jour, c'est moi qui décide de le fêter ou pas. Et si je décide de ne pas le fêter, c'est parce que cet argent, je peux faire autre chose avec. L'anniversaire, pour beaucoup de personnes, ça reste un chiffre, un nombre. On n'est pas forcément obligé de le célébrer, mais je veux dire, est-ce qu'aujourd'hui l'avènement de ce genre de programme-là aussi n'a pas un peu poussé des gens à aller s'endetter pour effectivement faire ressembler son anniversaire à ce qu'on voit à la télé? Exactement. Pour moi, c'est totalement ça. Et je ne vais même pas dire que ce type d'émission, je vais plutôt dire l'influence des réseaux sociaux. D'accord. Aujourd'hui, on ne fête plus son anniversaire juste parce que j'ai pris un an de plus, j'ai atteint de nouveaux objectifs, j'ai pris un an de plus, je suis avec mes proches. Encore non, on fête son anniversaire pour pouvoir faire un événement grandiose,
un peu à la façon de Pinterest, pouvoir poster sur les réseaux sociaux et dire « Oh, j'ai fait mon anniversaire dans un studio meublé avec 50 voilà, personnes, etc. » Il y en a qui donnent même le montant dépensé, hein, ça m'a coûté 12 millions. Alors qu'avant, comme tu as dit au préalable, excusez-moi, c'était un événement qu'on fêtait en famille. Il y avait ce petit moment spécial là. C'est vrai. Moi, je me souviens quand je suis arrivée, pour mon anniversaire, j'étais hyper triste parce que je me suis dit « Je suis loin des miens. » Et ma grande sœur, mon beau-frère, que je dis mon grand frère, désolé, ma petite famille que j'ai ici, ils m'ont fait un anniversaire surprise, je ne savais pas. Elle a fait semblant d'oublier mon anniversaire. Ouais. Et le soir, ils sont venus me récupérer. Après, ils m'ont fait un gâteau. C'était incroyable. C'était en famille. Personne n'a su. Le moment, il a été savouré. Mais aujourd'hui, de nos jours, on voit maintenant des personnes qui, eux, ils vont aller s'endetter. Ils sont capables même de s'endetter soi-même, d'organiser un événement grandiose et de dire « On m'a organisé un anniversaire surprise ouais. ». Désolé, mais moi, je ne vois pas l'intérêt de dépenser autant d'argent pour des personnes que je ne connais pas aussi, qui ne sont pas souvent très proches de moi, qui viendront manger sous mon dos. J'ai peut-être l'air aigri, mais oui, bon, mais c'est bien. Non, mais c'est bien de le souligner parce qu'après, il ne faudrait pas que les téléspectateurs pensent qu'on est en train de faire un procès contre... Non, ce n'est pas le cas. Mais c'est de se dire qu'il y en a qui ne le fêtent pas. Hein, il y en a qui ne fêtent pas. Et c'est pourquoi nous, on veut comprendre. Est-ce que ça sert vraiment à quelque chose, le fait de fêter son anniversaire et d'organiser un événement? Après, ça dépend de la politique de chacun. Si on a un budget assez conséquent pour ça, le problème avec ça, c'est que ça revient chacun. Donc chaque année, on doit devoir dépenser pour ce moment-là. Est-ce qu'on ne peut pas s'en priver? Parce que moi, je me souviens, ma mère me disait, écoute Régis, si à partir de tes 20 ans, tu arrêtes de fêter ton anniversaire, je te rassure d'une chose, tu ne vas pas mourir. Au contraire, cet argent-là, tu pourras l'épargner et faire autre chose avec. Et moi j'ai arrêté, hein, à partir de 20 ans, je ne fêtais plus mes anniversaires. Et ça, c'était quelque chose, c'est une décision hein, que j'ai eu à mettre en place. Et puis, c'est simple. Et la question aussi que je veux te poser, mon cher Fabre, est-ce qu'il y a vraiment un âge où on peut se dire, stop, c'est bon, je ne fête plus mon anniversaire, je pense que je dois me concentrer sur des choses un peu plus sérieuses. Alors moi je crois que, bon, une fois on a 18 ans. 18 ans c'est peu, c'est beaucoup. Non, c'est peu. Une fois, 18 ans c'est peu. Pour toi c'est à quel âge qu'on arrête 20 ans quand même. 20 ans, ouais. 20 ans. Pourquoi 18 ans, on a encore le temps de s'amuser, 18 ans on est encore dans une certaine immaturité. Donc... Alors qu'à 20 ans, on a quand même conscience qu'on est en train de partir vers... Bon. Oui, mais après, ça c'est discutable. Ouais, parce que ça c'est discutable ans, parce que là, on lance un autre débat sur l'âge et la maturité, tu vois. Parce qu'on peut être mature à 16 ans. Hein. C'est vrai. Très mature à 16 c'est ans. Vrai. C'est vrai. Voilà. Mais vous pensez qu'à 16 ans, est-ce qu'à 16 ans, vous pensez à cet âge-là que vous allez vous dire, il faut qu'à 25 ans, j'ai une maison, j'ai un terrain. Non, c'est pas évident. Il faut que je puisse épargner. Non, c'est pas évident. C'est plus dans peut-être ce sens. Pas, mais on est déjà plus ou moins conscient. Oui, mais est-ce que toi, tu continues à célébrer ton anniversaire, toi? Non, moi j'ai arrêté. Il y a longtemps, j'ai arrêté de célébrer mon anniversaire. C'est un peu comme je t'étais en train de le dire. En fait, je ne trouve pas utile. Je ne vois pas la nécessité de dépenser des sous pour quelque chose, je ne sais pas, qui fait à peine un jour. Ah, alors, non, mais c'est quelques heures. C'est quelques heures, voilà, quelques heures. C'est-à-dire, on parlait d'endettement. Oui. Donc, je suppose, par exemple, je n'ai pas de sous. Et donc, je m'en vais m'endetter pour célébrer mon anniversaire, histoire de nourrir ceux qui sont autour de moi. Mais ça n'a absolument aucun sens. Alors, moi, ce que je dis, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, on fait des pratiques sans pour autant, à un moment donné, se questionner. Mmh. Moi, je me dis qu'aujourd'hui, c'est juste... c'est dû à la coutume. Moi, je vois l'anniversaire aujourd'hui comme une affaire de coutume. Voilà. Mais est-ce que jadis, nos parents célébraient ça? C'est la vraie question aussi. Je pense que nos parents n'étaient pas forcément dans cette optique de se dire « Ah, c'est l'anniversaire de ma femme ». Vous pensez que nos grands-parents au village avaient le temps de célébrer ça? Bon, peut-être pas les grands-parents, ouais. Mais moi, j'ai vu quand même mon papa à un moment donné faire l'anniversaire. Oui, mais ton papa est dans une génération déjà... De ma maman, voilà. Donc, je me dis que voilà, c'est une histoire de coutume, c'est une histoire d'influence de la société parce que elle fait, moi pourquoi pas, ouais. Alors je fais aussi et puis c'est comme ça, donc il y a plusieurs choses que l'on fait simplement à cause de la société. Ouais, en fait du mimétisme en fait, donc la société en fait on mime un petit peu ce qu'on voit dans la société. Et justement en parlant de ça, parce que Fabre a soulevé un point, mon cher Luxin, alors je sais pas si tu es en couple mais c'est confidentiel, tu le garderas pour toi, mais tu l'as été une fois je suppose, oui. L'impact aujourd'hui de la célébration de l'anniversaire lorsqu'on est en couple, comment ça se passe en tant qu'homme? En général tu te dis, ma petite amie c'est son anniversaire dans deux jours, il va falloir que je trouve
trouve un cadeau. Parce que si c'est l'anniversaire qu'il n'y a pas le cadeau, alors là, on se connaît, on est tous passés par cet événement-là. Oui. Mais je veux dire, est-ce qu'il y a beaucoup plus de pression quand tu es en couple à l'idée de devoir célébrer l'anniversaire, par exemple, de ta petite amie? Déjà, moi, je pense qu'à la base, lorsqu'on se met en couple, il faut déjà se connaître l'un et l'autre. Ouais. L'homme et la femme, il faudrait se connaître. C'est la base. Mm-hmm. Mais et sur ce point, il faut qu'elle connaisse aussi ta situation financière. D'accord. Voilà, c'est ça. Si il se trouve que l'anniversaire, on dit c'est le geste qui compte. C'est le geste qui compte, tu peux avoir un cadeau de 2000 francs. Mais parfois 2000, c'est dur à avoir. Parfois 2000, c'est rare. Donc, du coup, si il s'avère que son anniversaire tombe un jour où il fait beau, ou c'est beau dans la poche. On va le célébrer comme il le faut. Et ouais. Si c'est pas beau dans la poche. Est-ce que tu t'es déjà retrouvé dans une situation similaire, c'est-à-dire où en fait c'était l'anniversaire de ta petite amie, tu n'avais pas les moyens parce que tu es étudiant et que voilà, tu n'avais pas une entrée et qu'en fait elle a dû t'en vouloir un petit peu parce qu'il n'y a pas eu ce coup-là, cet événement n'a pas été marqué par. Non, elle m'a pas en voulu parce qu'elle m'a compris. Comme je le disais tout de suite, moi je suis quelqu'un, lorsqu'on se met en relation, il faut qu'on se connaisse en fait. Ouais. Et elle a compris que là, c'était pas bon pour moi, mais on a pu le célébrer plus tard. D'accord. En différé toujours, en général. Oui, en différé. Quand il y a des moyens, on se rattrape. Ouais, on se rattrape. En général, c'est l'expression, je vais me rattraper. Même quand le cadeau n'est pas là, je vais me rattraper plus tard pour le cadeau. Talita, justement, du côté de la femme, comment vous arrivez à percevoir ça, cette absence de célébration de cet événement aussi important? Parce qu'en général, même quand on va vers une femme où on commence le processus normal, on prend le contact, on se connaît, on se fréquente, en général, c'est la question qui vient souvent, c'est-à-dire c'est quand ton anniversaire, parce qu'on sait que c'est un moment très important pour la personne, surtout quand on estime la personne, et quand on se rend compte que la personne pour qui on a évidemment des sentiments arrive à oublier ce jour important pour moi, évidemment que là on perd des points, mais comment vous arrivez à percevoir ça? Je veux dire, du côté de la femme, comment la femme, alors tu ne parleras pas au nom de toutes les femmes, mais je veux dire, mais toi comment tu arrives à gérer ça? Bon, déjà percevoir, surtout sur le point d'oublier au niveau de l'anniversaire, je m'excuse au nom de toutes les femmes, mais moi j'oublie les anniversaires. Donc si quelqu'un oublie le mien, même si je te considère, désolée, mais moi aussi j'ai l'habitude d'oublier. Donc personnellement, je pense que c'est vrai que c'est un événement assez important. Mais parce que dans le couple, parce que la thématique c'est à quoi l'anniversaire sert. Surtout dans le couple. Ça sert à rapprocher justement. Oui, ça sert surtout quand vous êtes en couple. Ou à éloigner quand on oublie. Bon, pas autant aussi éloigné, parce que pour une personne comme moi, vous êtes en couple avec moi, il y a des chances que j'oublie. D'accord. Même avec mes parents, je suis désolée, j'oublie. Mais bon, je me dis aussi une chose. Avant toute chose, ça dépend aussi de la situation financière de la personne. Mmh. Ça dépend aussi de la vision que vous avez du couple. Si vous êtes en couple assez simple, un petit gâteau, vous partez juste là, dans une petite boulangerie, un petit gâteau avec une bougie, joyeux anniversaire, c'est simple. Mmh. Si vous voulez en faire beaucoup, il n'y a pas de problème. Maintenant, si par mégarde, vous oubliez, là, au moins, si vous connaissez votre partenaire, que c'est une personne, par exemple, comme moi, qui oublie, vous allez comprendre, et la personne a l'obligation de se rattraper, mais avec le minimum. Oui, mais si c'est l'inverse, c'est-à-dire toi, tu oublies, mais supposons que ce soit ton petit ami qui oublie ton anniversaire à toi, comment toi, tu perçois ça? Si j'ai rappelé il y a quelques jours, je me fâche. D'accord. Mais si, je n'ai pas rappelé, surtout que moi, c'est quelque chose que je... Ça se passe comme ça, en fait. Ça, c'est un jour qui doit passer comme tous les autres. Je ne vais pas prendre ça en compte. Mmh. À part si j'ai rappelé. D'accord. Si on a eu une discussion quelque temps avant. Est-ce que fêter son anniversaire aussi, mon cher Fabre, nous met un petit peu la pression? Parce que c'est une phrase qu'on a tendance à balancer en disant une bougie de plus. Ma mère me disait que quand tu prends une bougie de plus, tu te rapproches un petit peu de la mort. C'est le côté un peu sombre de l'anniversaire, c'est pourquoi beaucoup ont un petit peu peur. Mais je veux dire, est-ce que ça nous met quelque part un petit peu la pression de savoir, par exemple, que si ton anniversaire, moi, comme je disais tout à l'heure en off, c'est que les années de 5, en général, ça passe très vite. Tu as 25 ans, tu clignes des yeux deux fois, tu te réveilles, tu as 30 ans. Donc, est-ce que là aussi, l'anniversaire, ça ne sert pas un petit peu à te rappeler qu'il faut que tu te bouges un peu dans le bon sens du terme, que tu essaies d'être un peu plus avenant dans ce que tu as appelé à être et à devenir? Alors, moi, je crois qu'il y a beaucoup trop de pression.
Il y a énormément de déjà chance. Parce que ça te rappelle ton âge. Ça te rappelle ton âge et surtout quand tu atteins cette tranche là 25 ans. Ouais. 25 ans, tu te dis que ben à 25 ans, qu'est-ce que j'ai déjà bien pu réaliser. Exactement. Et là tu t'assois tranquillement, tu regardes, tu te rends compte que mais en vérité, j'ai rien réalisé. Ouais. Et dans quelques années, j'aurai 30 ans. Ouais. Et donc à 30 ans, est-ce que je vais toujours demeurer le même, sans réalisation, toujours pas de projet? Aucun but, où vais-je? Donc on se pose un certain nombre de questions. Et on finit enfin par quoi? Par sombrer parfois dans la dépression, le stress. Donc il y a énormément de pression. Et bon, on parle aussi de l'âge. Quand tu prends 30 ans, après tu te dis 35 ans, 40 ans, tu vois, bon, c'est la mort qui te guette. Donc il y a beaucoup de pression dans tous les sens. Il y a trop de pression. Il y a aussi la responsabilité qui intervient. Il y a beaucoup de pression. Mais parce que déjà, l'autre côté aussi, c'est que quand tu fais ton anniversaire, en général, toi, deux fois, tu fais fi. C'est-à-dire que tu as envie d'oublier ton âge, même si ce n'est pas possible. Mais tu as envie d'oublier que voilà, tu es en train de vieillir. Il y a toujours une personne qui te le rappelle. Toujours. En te disant, bah, écoute, Luxien, tu as fêté ton anniversaire, bravo. Tu as 27 ans aujourd'hui. Qu'est-ce que tu vas en faire de ces 27 ans-là? Est-ce que ça, parfois, ça te gêne un petit peu quand on te rappelle tout le temps ton âge, mon cher Luxien? Pas fort, non. Parce que moi aussi, d'un côté, je vois que célébrer un anniversaire, c'est aussi célébrer la vie. Ouais. Parce que de nos jours... Ah oui, il faut noter ça. Tu mettras entre guillemets. Évidemment, Luxien, célébrer son anniversaire, c'est aussi célébrer la vie. Parce que, avec tout ce qu'on voit aujourd'hui, surtout chez nous les jeunes, il y a d'autres qui sont partis très tôt à des âges qui ne devaient pas. Sont pas propices à la chose. Et voilà, avoir un an de plus aujourd'hui, c'est dire 365 jours. Déjà savoir que ce n'est pas acquis, c'est remercier Dieu, c'est ouais, voilà c'est... ce que je disais quoi. Ouais. C'est surtout que ben voilà, tu as ton souffle de vie qui est renouvelé. Pour 365 jours. Donc du coup tu te dis oui, je suis un privilégié parce que c'est le cas, voilà. Hein, comme tu l'as souligné, il y en a qui ne sont pas arrivés au terme de cette année, il y en a qui sont partis très tôt. D'ailleurs on a une pensée évidemment pour ces personnes-là, pour toutes ces familles-là qui ont perdu des proches, soit en début d'année ou en fin d'année 2023, parce que ça a été évidemment très compliqué pour ces personnes-là. Mais l'anniversaire, effectivement, c'est dans tous les sens du terme. On va peut-être aborder un peu ce côté sombre, parce que l'anniversaire aussi, c'est assez large. Ça peut être l'anniversaire de décès aussi d'une personne qui nous a quittés très tôt. Est-ce que ça, c'est plus difficile à vivre, quand tu dois devoir fêter l'anniversaire d'une personne qui est partie un peu plus tôt, ma chère Talita? Oui, je trouve. En tout cas, personnellement, je ne suis pas le genre de personne qui appréhende ce type d'anniversaire facilement. Surtout quand c'est une personne proche. Et moi, pour me défendre de ça, souvent j'oublie, en fait. Donc je préfère simplement ne pas me rappeler, ne pas garder cette date en moi. Donc l'anniversaire peut passer comme ça, parce que se rappeler du jour où tu as perdu une personne auquel tu tenais, c'est très difficile. Te dire que tu ne verras plus cette personne n'est plus à côté de toi, tu auras besoin de cette personne, c'est très difficile. Donc appréhender l'anniversaire et dire que, comme certains font, parce que certains, dans certaines cultures, vous partez nettoyer peut-être la tombe. Il y a une journée déjà qui... Il y a une journée pour ça, vous vous occupez de ça, vous réunissez en famille. Moi, je trouve que c'est dur. Hein. C'est très difficile. Très difficile. D'accord. Ok, mais il y a un autre point, c'est vrai, on parlait évidemment de ce côté un petit peu sombre, de devoir se rappeler l'anniversaire d'une personne malheureusement qui a pris de l'avance de l'autre côté. Mais revenons un petit peu sur le point un petit peu, on va dire quoi, psychologique même de la chose. C'est-à-dire, quand on parle de l'anniversaire chez les jeunes, mon cher Fabre, on nous dit que c'est important d'organiser l'anniversaire d'un gamin, par exemple, de nos petits frères, nos petites sœurs, parce que ça reste quelque chose d'assez important pour ces enfants-là. Donc, ça joue sur la psychologie de l'enfant. Mais il y a beaucoup de familles en Afrique qui grandissent, mais qui n'ont pas ce moment-là assez convivial. Moi, ce que j'ai envie de savoir, c'est comment et pourquoi ça joue sur la psychologie de l'enfant, mon cher Fabre. Alors, ce qu'il faut aussi dire, c'est que... Ce qu'il faut déjà dire, c'est que l'enfant, on va dire, il est émotionnel. Ouais. Il est très émotionnel. Donc, tout ce qui a la capacité de procurer de l'émotion, il est prenant. Ouais, c'est vrai. Et à partir de là, on peut très bien pouvoir le gérer. Parce que quand tu veux gérer un enfant, donne de l'émotion, donne de la joie, donne du plaisir.
Il est clair que maintenant, tous les parents n'ont forcément pas cette capacité-là à organiser des anniversaires à, leur, ouais. À leurs enfants, mais pour ceux-là qui en font, naturellement, je crois que c'est très bien, parce que pour moi, je me dis que tant qu'il est enfant, il n'y a absolument aucun problème, ouais. Aucun problème à organiser un anniversaire. Mais dès l'instant où il atteint l'âge adulte, à ce moment, on doit mettre un frein. Ouais. Et puis lui dire qu'écoute, tu as passé l'âge où on te... Voilà. Ouais, des bonbons, que, des gâteaux. Voilà, c'est surtout que quand il est jeune, organiser un anniversaire pour un petit, c'est aussi, bah voilà, il veut ramener ses amis, donc ça va être un moment assez convivial pour lui, il va se retrouver avec... Exactement, avec ses amis et plein de choses. Les amis, on va marquer une courte pause. On va se retrouver en deuxième partie d'émission pour parler évidemment, toujours en lien avec la première thématique, on parlera de cette peur évidemment de grandir un petit peu. Pourquoi on a peur de grandir? On vous en dit un peu plus juste après la pause. À tout de suite. De retour sur le plateau de Génération News pour la deuxième et dernière partie d'émission. Je vous l'annonçais avant la pause. Nous allons à présent parler un petit peu de cette peur de grandir, observée chez beaucoup, beaucoup, beaucoup de jeunes et même des adultes. Mon cher Fabre, je me tourne vers toi évidemment pour donner un petit peu le temps de cette dernière partie d'émission. On parle évidemment de cette peur de grandir. Pourquoi ? Alors, si on parle aujourd'hui de la peur de grandir, si plusieurs personnes ont peur de grandir, c'est bien parce que ces personnes ne se sentent pas à même de prendre un certain nombre de responsabilités. Parce que quand on parle de l'âge adulte, ben quelque part, c'est aussi assimilé à la responsabilité. Donc, c'est aussi quelque part assimilé à la responsabilité. Donc, on se dit qu'en grandissant, je vais devoir prendre des initiatives personnelles, voilà. Alors qu'autrefois, on me dictait un certain nombre de choses à faire, mais là maintenant, je vais pouvoir voler de mes propres ailes. Ouais. Et donc, c'est là toute la difficulté. Est-ce que ça a été le cas pour toi, Talita? Je veux dire, quand tu as quitté le Gabon pour poursuivre tes études au Sénégal, est-ce que justement, tu avais cette peur-là? Est-ce que tu appréhendais cette peur de devoir être seul et de devoir grandir, justement? C'est vrai. Bon, pour moi, personnellement... C'était assez difficile parce que je suis une personne assez fermée et j'ai beaucoup grandi qu'avec le petit cercle familial. Ouais. Donc, venir dans un pays étranger, être seul, vivre seul, avoir son propre rythme de vie, c'est totalement pour, on va dire, même si vous êtes adulte, c'est totalement effrayant. Parce que après, c'est à toi de gérer les factures, bah ouais. C'est à toi de gérer les imprévus. Et ça non, c'est comme il disait, il parlait de responsabilité tout à l'heure. Donc, même voilà. Si, on va dire que sur le plan financier, tu as tes parents qui t'aident, mais c'est à toi de t'organiser, c'est à toi de prendre les bonnes décisions pour pouvoir... pouvoir vivre en paix, avoir un environnement stable pour toi. Et donc, personnellement, c'était vraiment effrayant. Mais bon, on s'habituait, ça fait déjà quoi, 3 ans. Ouais, du coup, est-ce qu'aujourd'hui, tu peux affirmer sans risque de te tromper que cette peur-là, en fait, t'as beaucoup plus servi et pas, ça ne t'a pas desservi dans le sens de aujourd'hui, tu peux te considérer comme une personne aujourd'hui qui a mûri un petit peu. Oui, je veux dire, ça m'a beaucoup servi parce que c'est ce qui m'a aussi boosté. Au niveau de me lancer dans l'entrepreneuriat, il y avait déjà cette indépendance parce que je me disais que oui, tôt ou tard, tu vas devoir prendre tes responsabilités tout seul. C'est l'éducation qu'on m'a donnée de savoir se débrouiller soi-même. Maintenant, quand tu te retrouves seul, tu te retrouves dans le réel, tu te retrouves dans une situation encore plus réelle, c'est ce qui m'a boosté à me dire, certes, il y a les parents, mais tôt ou tard, forcément, ça va s'arrêter. Ouais. Là, c'est limité, en fait. Donc, tu grandis, tu prends de l'âge. Si aujourd'hui, tu es seul à l'étranger, c'est que tu es adulte maintenant. Ouais. Donc, mieux, tu apprends à t'organiser. Et oui, je veux dire que j'ai mûri, j'ai grandi. La Talita de 19 ans, 18 ans, c'est pas la Talita de maintenant. D'accord, ok. Tant que tu ne diras pas ton âge de maintenant, mais on a retenu, c'est le 6 juin en tout cas. Mon cher Luxin, effectivement, ce que Talita vient de dire, c'est assez intéressant parce qu'elle parlait de cette capacité justement à se mouvoir, mais à faire preuve évidemment de responsabilité. Est-ce qu'aujourd'hui,
aujourd'hui, tu conviendrais avec certaines personnes qui disent que grandir, c'est égal la prise de risque. Est-ce que prendre des risques, c'est grandir? Oui, je partagerai cet avis parce que le fait de grandir, c'est s'exposer au fait de pouvoir prendre des responsabilités, assumer certaines responsabilités, savoir décider pour soi. Ouais. Et peut-être, et pour d'autres, qui ont peut-être des enfants et tout, à décider pour ses enfants. Mmh. Et du coup, moi, je partagerai cette opinion. Justement, Fabre, de ce que Lucien vient de dire, moi, j'ai envie de m'accrocher à la thématique. On parle d'appréhender, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont peur un petit peu de grandir. Tu l'as souligné dans ton argumentaire au début de cette, à l'entame de cette deuxième partie d'émission. Mais je veux dire, s'il fallait aujourd'hui poser des actions, mettre en place des mécanismes pour appréhender, dompter cette peur de devoir franchir certaines étapes de sa vie et affronter en fait des responsabilités comme ça a été le cas pour ma chère Talita. Mais je veux dire, quels sont les mécanismes à mettre en place selon Alors, toi? Régis, moi je suis de ceux qui croient que tout est une question d'éducation. D'accord. Donc il y a des gens qui ont vécu dans un environnement où les parents n'ont pas inculqué un certain nombre de valeurs. Mmh. Au lieu de dire à l'enfant qu'il viendra un temps, un âge où tu devras quitter notre maison pour bien évidemment voler de tes propres ailes, on a continué à créer des liens chez l'enfant qui font en sorte que ce dernier éprouve des difficultés à sortir de la maison, dans à cette partir dépendance, de la maison. Donc, il y a une forme de dépendance et c'est aussi ce qui explique aujourd'hui pourquoi on peut se retrouver à 35 ans, 36 ans dans la maison de papa et maman. Parce que bien sûr, les parents en sont à l'origine. Donc, si les parents décident d'éduquer comme il se doit leurs enfants, je ne pense pas qu'à un certain âge, ces derniers éprouveront des difficultés à voler de leurs propres ailes. Donc, en grande partie, je donne cette responsabilité-là aux parents. Il y a une responsabilité parentale. Oui, il y a une très, très, très grosse responsabilité parce que l'enfant d'aujourd'hui, eh bien, ce sera l'adulte de demain. Mm-hmm. Donc, si on arrive à bien le former, à inculquer de vraies valeurs, de très bonnes valeurs, mais il viendra à un certain âge, quand il aura 25 ans, 26 ans, 27 ans, pour lui, c'est tout naturel de partir de la maison. C'est tout naturel de louer. C'est naturel de payer ses factures. C'est naturel de prendre tout ce qu'il peut prendre comme responsabilité. Est-ce que c'est toutes ces choses-là qui poussent vraiment cette personne à avoir peur de grandir? C'est-à-dire le fait de devoir assumer le loyer, toutes ces responsabilités-là, toutes ces charges, j'ai envie de dire. Ah ben oui, pour moi, c'est bien ça, Lurie, parce que quand on est plus petit, on est dans la maison de papa et maman. Ouais, on paye pas l'eau. C'est papa qui paye l'eau, c'est papa qui paye le courant, l'abonnement, c'est aussi papa qui prend cela. Et même pour tes études, c'est encore papa qui le prend. Donc toi, tu te dis que ben, pourquoi quitter une maison où j'ai la possibilité de bénéficier de tout sans lever le moindre droit? Alors toi, tu te sens à l'aise et puis tu te dis non, payer des factures, c'est pas bien, je préfère rester chez papa et maman. Est-ce que toi, tu es animé par cette philosophie-là, mon cher Lucien, de se dire papa et maman ont déjà énormément fait pour moi, il est temps que j'arrive à grandir dans le sens de devoir aider un petit peu ma famille aujourd'hui, de faire ce passage de témoin-là, j'ai envie de dire, voilà, dans le bon sens du terme. Est-ce que aujourd'hui, par exemple, tu acceptes de grandir dans ce sens-là? Bah oui, et il le faut. Mm-hmm. Parce qu'on arrive à un certain âge où les parents, on ne doit plus trop dépendre des parents. Ouais. Il faut savoir voler de ses propres ailes à un moment donné. Et voilà, il faut assumer ses responsabilités. On a une vie à construire aussi. Et puis après, nos parents aussi. Plus tard, c'est eux qui dépendront, qui devront dépendre de nous. C'est vrai, effectivement. Donc, plutôt tu prends ton envol, tu essayes de t'adapter à la vie et plutôt il sera mieux. Est-ce que grandir, ça fait mal? Je veux dire, dans le sens de se dire, parce que grandir, comme on l'a dit, c'est prendre des risques et parfois ces risques ne sont pas forcément couronnés de réussite. Parfois, on est confronté à des échecs. Est-ce que dans ce sens-là, ça fait un petit peu mal dans le sens de se dire, bon, Fabre l'a souligné, j'ai essayé, ça n'a pas marché, bah, je vais repartir à la maison familiale, tout simplement. Non, ça fait pas mal, ça éduque. D'accord. Je dirais que ça éduque. La vie, quand on est chez nos parents, la vie, ce n'est pas forcément ce qu'on voit. Ouais. Comme il disait tout à l'heure, les factures et tout, c'est papa, maman qui ont l'habitude de payer. Maintenant, quand on te met face à la chose, faut savoir
prendre la position en fait, savoir comment l'appréhender, savoir comment gérer et t'adapter face à la situation. Ouais. Est-ce que c'est une conversation que vous avez eue très tôt, par exemple, Talita, avec, avec papa ou maman, je ne sais pas, avec lequel de tes parents t'es très proche. En l'occurrence, c'est beaucoup plus les femmes, donc en l'occurrence maman, mais tu me diras. Mais je veux dire, est-ce que tu as eu une conversation similaire avec tes parents dans le sens où ils savent et que toi aussi tu sais qu'à un moment donné, tu dois devoir te détacher de beaucoup de choses, tu dois devoir prendre des risques, tu dois devoir sortir justement du cocon familial pour t'assumer et créer la Talita que tu es aujourd'hui. Bon, je ne vais pas dire qu'il y a eu une discussion, mais je vais rebondir sur ce qu'il disait en répondant à ta question. D'accord, en parlant d'éducation. Voilà, en parlant d'éducation. Responsabilité parentale. Au niveau, c'est au niveau de mon éducation. Parce que dès mon lycée, je vais prendre un exemple d'une expérience que j'ai eue. Moi, personnellement, mon père, il m'a éduqué à ne pas dépendre de lui. Ouais. Il m'a éduqué, je te donne le nécessaire, je te donne le minimum, mais le reste, c'est à toi de chercher. Donc, très tôt, je pouvais te dire, papa, tu as des connaissances, est-ce que tu peux me trouver un travail? Il me disait non. Donc, c'était à moi d'aller me débrouiller. Donc, très tôt, il m'a fait comprendre que tes besoins, les petits besoins, surtout quand on est une jeune femme, une jeune adolescente, c'est à toi de t'en occuper. Donc, en grandissant, j'ai développé ça. Donc, depuis le bas âge, il m'a détachée. Or, à côté, sans vouloir pointer du doigt, j'avais une amie aussi à l'époque. Elle disait plutôt, moi, donc, tous mes besoins, c'est papa. Donc, tout ce que je veux, je dis juste à mon père, qu'importe ce que je veux, je ne me casse pas la tête, c'est mon père. Or, moi, j'ai plus grandi. Tu as besoin de quelque chose, il va te dire. Ben... Ouais. Et jusqu'à maintenant, il le fait. Si tu parles de, vas-y, j'ai besoin de pour l'école, il va te dire, ah, pas de problème. Mais tu dis, j'ai besoin d'un nouveau téléphone, il va te regarder. Ouais. Bah, c'est logique, bien, si tu veux l'avoir, tu vas l'acheter. Voilà. Et c'est ce qui est bien, et c'est ce qui a permis à ce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes me connaissent sous Talita. C'est simplement à cause de cette éducation. Mm-hmm. D'où j'ai dit, je devais répondre à ta question. En se servant évidemment de l'argument. Toutes les questions d'éducation. D'éducation. Oui. En parlant d'éducation, on va y rester un petit peu, mon cher Fabre, avant de donner la parole à Luxin. Alors, il y a une star, des stars qui sont très connues, mais en l'occurrence dans le cinéma, on a Jackie Chan, on a Bill Gates, par exemple, dans le domaine évidemment de tout ce qui est technologie. Alors, ils sont nombreux, hein, mais ces stars qui sont, on va dire, multimillionnaires et milliardaires, ont décidé de ne rien donner à leur progéniture comme héritage, tout simplement parce que derrière, ils veulent que ces enfants-là arrivent à avoir la même fortune, mais en travaillant, en ayant évidemment cette culture du travail. Une éducation aujourd'hui qui rejoint un peu ce que tu veux nous dire, mon cher Fabre. Alors, par exemple, on va dire quoi? Ce sont ces artistes, Jackie et autres, qui ont décidé de ne rien donner. Ouais, on a Magic Johnson aussi, le basketteur, qui a décidé de ne rien offrir. Nombreux. À... Ouais. C'est-à-dire, quand on voit ça, ça peut paraître quand même assez étrange. Voilà, on peut se dire qu'il s'agit d'un père irresponsable. Ouais. Alors qu'en réalité, moi, je pense qu'ils font très bien. Parce que quand on est dans une maison, surtout quand on est avec une cuillère dans la bouche, on ne comprend pas, on ne connaît pas ce que représente l'effort. Bah c'est surtout, c'est bien d'avoir précisé en or. Voilà. C'est encore... Merci, ouais. Talita. Donc, ce qui revient à dire que si aujourd'hui, je possède 5 milliards et que je décide de les donner à mes enfants et qu'ils n'ont pas connaissance des conditions dans lesquelles j'ai pu obtenir cet argent, je suis sûr et certain le goût du travail, de l'effort, je ne pense pas qu'ils vont connaître ça. Ils ne vont pas comprendre. Et le pire, c'est qu'ils feront tout pour dilapider cet argent n'importe comment. Et c'est là la catastrophe. Donc c'est pourquoi c'est très important pour les enfants, pour les parents, de montrer aux enfants le chemin de l'effort. De dire aux enfants que regardez, c'est dans ces conditions que j'ai obtenu l'argent que je possède actuellement. Et que si vous voulez vivre à ma manière, vous voulez vivre comme moi, eh bien, travaillez comme moi. C'est aussi simple. D'accord. Et du coup, refuser
c'est quelque part un facteur clé dans le fait de devoir appréhender cette peur de grandir. Quand on te refuse quelque chose, ça t'apprend derrière à grandir. Grandir, oui. Parce que ça te pousse à aller chercher ce que tu veux, tout ça. D'accord. Mais est-ce que toi, tu as toujours pris ça dans ce sens-là? Quand tu vas demander, Talita, elle a demandé le téléphone à papa, papa a dit non. Mais je veux dire, est-ce qu'on a souvent cette culture, cette facilité à bien accueillir le refus en général, que ce soit de nos parents ou bien d'un ami ou... Non, au début, on va dire, au début, c'est difficile. C'est difficile. Parce qu'ils ont l'habitude de... Papa, je veux ça, vas-y, tiens. Mais à un certain âge, papa, je veux ça, ah, bah, va chercher. Tu te demandes, tu te poses des questions, tu te demandes pourquoi ça. Mmh. Et voilà. Mais en grandissant, tu comprends qu'on essaie d'inculquer quelque chose. On t'inculquait le travail, savoir chercher ce que tu veux, ouais. En fait. Et je pense que c'est une bonne leçon de vie. C'est une bonne leçon de vie, en fait. Fabre ? Quand tu grandis, tu demandes quelque chose, on te le refuse. Moi, je ne le prends pas mal. Pourquoi ? Parce que quand on a atteint un certain âge, on éprouve même cette honte-là. On a honte de demander. Parce qu'on se dit que mais j'ai des pieds, j'ai des bras, mais regarde l'âge que j'ai aujourd'hui. Qu'est-ce qui peut bien me pousser encore à aller faire une courbette alors que je suis capable de l'obtenir. Voilà. Donc moi je crois même qu'on devrait davantage refuser. Lorsque tu as un certain âge, on devrait davantage dire non pour que les gens apprennent. On dit souvent, en fait, les échecs font beaucoup plus grandir que les réussites en général. Donc quand on est face à l'échec, on arrive facilement à grandir parce qu'on se dit, si j'ai échoué, je peux recommencer. Si je recommence moi-même, je peux obtenir. Exactement. Je pense qu'en fait, moi je dis souvent et à qui veut l'entendre et généralement sur ce plateau que moi j'ai deux verbes que j'aime énormément parce que pour moi ce sont des verbes qui dictent l'évolution de la vie d'un être humain, aussi bien des relations professionnelles, une relation familiale ou amoureuse. Pour moi c'est le verbe essayer et le verbe réessayer, c'est-à-dire qu'aujourd'hui tu ne sauras jamais si tu peux devenir une grande entrepreneur si tu ne te lances pas, si tu n'essaies pas, en fait. Aujourd'hui tu ne sauras jamais si tu peux réussir en étant responsable d'une grande entreprise si tu n'essaies pas. Et en général, quand on échoue, qu'est-ce qu'on fait? On va réessayer. Il y en a qui diront recommencer. Et à partir de ce moment-là, on grandit. Et comme disait mon père, paix à son âme, il m'a sorti une citation qui, cette citation pour moi, elle est restée à vie. Et ça m'a toujours aidé à grandir. Et il m'a toujours dit, écoute Régis, dans la vie, tout ce qui te fera grandir te fera toujours peur. Maintenant, c'est à toi de choisir. Soit tu restes dans la peur, soit tu grandis. Mais dans tous les cas, tu devras toujours faire un choix. Et moi, j'ai choisi de grandir. Et choisir de grandir, c'est prendre des risques, justement, pour se dire, OK, si je prends un risque, je vais échouer, mais je vais réessayer, je vais recommencer. Et derrière, ça te fait toujours, toujours, toujours grandir. Soit tu acceptes le refus de papa et tu fais ça toi-même, soit tu restes comme ça. Avant, moi, je ne comprenais pas, je me mettais en colère. On s'est tous mis en colère, hein, je te rassure. Hein. À chaque fois que tu allais voir papa et que papa disait non... Mais on ne comprenait pas que derrière, c'était une leçon de vie, comme Luc l'a souligné. Voilà. Il y avait une éducation derrière. Et aujourd'hui, quand je vois les résultats, je me dis, mais waouh! Parce que si je me situe bien, il a commencé à partir de ma troisième. Donc, c'est à partir de ma troisième que j'ai commencé à entreprendre, que j'ai commencé à faire des petits business, que j'ai commencé à me chercher. Pourquoi? Parce qu'il a commencé à m'emmener le nom. Il a vu, tu es en train de te rapprocher de la terminale, tu dois apprendre de toi-même. Ouais. Et je ne comprenais pas à l'époque. Mais aujourd'hui, quand je vois qu'à cet âge que j'ai aujourd'hui, j'ai pu bâtir cette petite entreprise que je suis en train de faire grandir ça, je vois que c'est le résultat de ce refus-là. Et je me dis, si c'était à refaire, refuse encore. Mais tout à l'heure, vous avez parlé de l'éducation. Dans l'éducation aussi, on peut rajouter organisation. Tu es étudiante, entrepreneur, évidemment, deux points. Évidemment, le côté entrepreneur peut aider le côté étudiante, mais je veux dire comment tu arrives déjà à gérer ça, parce que quand on parle de l'éducation, c'est aussi dans l'organisation, comment tu t'organises. Exactement. Est-ce que dans le divertissement tu fais fi de ça? Est-ce que tu as un budget pour te divertir, pour faire ceci, pour faire cela? Parce que grandir, c'est ça aussi, c'est avoir cette culture, cette éducation financière aussi. Comment tu arrives à t'en sortir, justement? Bon, pour moi, c'est la discipline. D'accord. La clé, c'est la discipline, que ce soit financièrement parlant, que ce soit avec les clients, que ce soit avec moi-même. Donc, j'ai déjà un emploi du temps bien précis. J'organise toujours mes journées. Je sais pertinemment ce que je dois faire la veille. Je prépare mes journées la veille, même avec les clients.
Je précise toujours aux clients, vous ne pouvez pas m'écrire à l'improviste et me dire « Oui, j'ai laissé ma commande, ça fait 3 mois, je dois venir récupérer. Ouais. » Parce que avant tout, ma priorité, ce sont mes études. Uh-huh. Certes, je suis entrepreneur, mais ma priorité, ce sont mes études. C'est ce que je mets en avant. Donc, je suis obligée d'être disciplinée avec les clients, mais disciplinée aussi avec moi-même. Ouais. Et je fais souvent, on va dire, une organisation précise. Donc, au niveau du divertissement, je sais que peut-être il n'y a que le week-end que je peux me divertir. Et financièrement parlant, je dis toujours, l'argent de l'entreprise, ce n'est pas ton argent. Exactement. On pense souvent que les entrepreneurs sont ceux qui ont de l'argent, on va dire à tout le monde. Non, parce que comme je dis souvent, dans l'entrepreneuriat, le plus dur, ce n'est pas de venir, oui, c'est de se maintenir. Parce exactement que tout le monde peut venir. Ça, il n'y a pas de problème. L'entrepreneuriat, c'est un marché. Tout le monde peut décider de venir dans ce marché-là et décider de verser dans l'entrepreneuriat. Mais le plus difficile, c'est de devoir se maintenir. On a vu des gens qui ont lancé des business. Et après, deux jours après, on a mis la clé sous le paillasson. Parce que justement, il n'y a pas eu cette discipline-là. Merci pour le terme. Il n'y a pas eu cette discipline-là derrière de se dire « Ok, si je dois grandir. » Parce que si tu décides de grandir, par ricochet, tu fais grandir ton entreprise aussi. Et tu dois te priver. Exactement. Il y a des privations que tu dois faire, il y a une organisation que tu dois faire. Il y a des moments où tu dois être autoritaire avec les clients qui viennent vers toi parce que ça dépend aussi. Il y a ton temps qui est là, il y a tes études. Et tes études, je répète et je précise, écoutez bien, vos études doivent être en priorité. Parce que avant tout, l'objectif, c'est de rendre fiers les parents. L'objectif, c'est d'avoir des diplômes. L'entrepreneuriat peut être le plan A des uns et le plan B des autres. Mmh. Mais ce n'est pas ce qui va vous enrichir très rapidement. Oui, parce que ça, c'est bien de le souligner, ma chère Dalita, parce qu'il y a encore aujourd'hui des gens qui pensent que si je dois devenir riche, je dois entreprendre. C'est bien, on c'est encourage. Vrai, mais il c'est faut pas le faire. Mais quand on décide de se lancer, il faudrait qu'on soit bien organisé. Exactement. Qu'il y ait cette discipline que tu viens de souligner, parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui créent le besoin et qui disparaissent. Ils décident d'entreprendre, je ne sais pas, dans un domaine, par exemple, je ne sais pas, de vendre des jus de fruits. Les jus de fruits sont très appréciés. 2 mois après, ils disparaissent. Donc, ça ne sert à rien de se lancer si on n'est pas prêt, si on n'a pas la volonté vraiment d'en le faire voilà, le mental et d'en faire quelque chose d'assez intéressant. On rappelle l'âge et le fait de grandir. Mon cher Luxia, est-ce qu'en général, ça te fait mal quand tu es dans une conversation avec ta petite amie ou avec ton frère ou avec ta soeur et il y a toujours cette phrase-là, grandis un peu. En général, est-ce que ça fait... Comment tu perçois souvent cette phrase-là? Moi, j'avais du mal avec ça au départ. Ça veut dire qu'on me considère comme quelqu'un d'immature. Parce que quand on te dit grandis un peu, on a tendance à lier le fait de grandir avec la maturité. Donc du coup, est-ce que ça te... Comment tu perçois souvent ça? Est-ce que ça te lance un petit peu... Est-ce que c'est difficile à percevoir? Moi, personnellement, ça ne me fait pas mal. D'accord. Pourquoi? Parce que... je pense que là où il faudrait être sérieux, il faudrait être mature, j'arrive à l'être. Ouais. Où il faut être mature, j'arrive à l'être. Et puis, avec mes amis, on ne va pas être tout le temps, comment dire, se prendre la tête, essayer à être tout le temps sérieux ou bien... Ouais. Voilà, en fait, comme je dis souvent, il faut une goutte d'immaturité dans un vaste océan de maturité. Voilà, justement. D'accord. Et donc toi, tu arrives à être... ça ne te gêne pas si on arrive à te dire grandir un peu? Non, mais... Mais si ça vient des amis, ça va, il n'y a pas de problème. Mais si ça vient de papa ou maman, ça touche quand même un petit peu. Mais après, la personne qui te le dit, ça dépend de la manière dont tu te comportes avec la personne. Bah, raison de plus, raison de plus pour te sortir ça. Vas-y, moi, ça me dérange pas. Ah. On m'a jamais dit dans une situation où ça m'a dérangé. Fabre, apparemment, toi, ça te dérange. Non, ça me dérange. Moi, déjà, ce qu'il faut dire, c'est qu'on ne m'a pas encore traité d'immature. Non, on ne m'a pas encore traité. Pourquoi on ne m'a pas encore traité d'immature? Parce que plusieurs personnes disent que, bon, je suis un jeune dans le corps d'un vieux. Donc, j'ai pas cette habitude de faire ce que font, on va dire... Certaines personnes. Voilà, les gens de mon âge. Du coup, on se pose la question de savoir, mais comment il fait, qui il est, quel âge. Donc, il y a un petit mystère autour. Et ça, c'est très important. Si on parle aujourd'hui, si quelqu'un te dit aujourd'hui que, comporte-toi un peu comme un adulte. Comme un grand. C'est justement parce que le mystère a disparu. Tu vois? Un homme doit être quelqu'un de mystérieux. Homme avec un grand H. Un grand H. Il doit être quelqu'un de très mystérieux. Il n'est pas du tout normal que chacun ait accès à ta petite zone, ton cercle. Non! Si quelqu'un arrive déjà à te le dire, c'est qu'il connaît tout de toi. Il sait ce que tu fais. Oui, mais après, tu vois? Comme je le disais, la manière dont la personne
avec la manière dont tu te comportes avec la personne. C'est pas avec tout le monde que je suis pareil. Ouais, parce que si, évidemment, oui. Si c'est un ami qui te le dit, voilà. Sous un ton un peu ludique, voilà. Un peu drôle, mm-hmm. Ça passe. Il n'y a pas de problème c'est à ce niveau-là. Une personne ne va pas venir dehors me dire vas-y, sois un peu grand, parce que je ne pourrais pas me comporter d'une manière immature avec elle. Oui, mais si c'est le cas, c'est-à-dire que si une personne qui n'arrive pas à te connaître arrive à te dire écoute, Luxin, grandis un peu, sois un peu plus. Je lui demanderai pourquoi tu me demandes. D'accord. Tout simplement. Tout simplement. Oui. Mais toi, ça va pas te bon, vexer un petit peu. Me non. Vexer, je pense me vexer en fait, c'est je pense pas, mais en fait moi c'est plus la question. Je me demandais pourquoi tu me poses cette question en fait. Mais peut-être parce qu'il a perçu quelque chose en toi. Non mais là. Il avait pas ce truc là en fait. Non mais enfin je pense pas que. Non mais toi apparemment toi tu restes sur ta position. ça va pas te déranger. Ah pas si c'est pas tant que ça. D'accord. Talita. Toi en général, non, ça va, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Mais est-ce que toi, tu arrives justement à le dire à tes petits frères, à tes petites sœurs, de devoir se préparer à grandir? Parce que grandir, ça se prépare, mais est-ce que toi, tu arrives justement à le faire, à préparer tes petites sœurs et petits frères à grandir? Bien sûr, surtout quand tu es aîné, que tu vois où le monde est en train de partir. Ah, parce que toi, tu es l'aîné? Oui, je suis l'aîné. Ah, grosse responsabilité du coup. Oui. Ah, tu n'as pas droit à l'échec. Hein. En fait. Non, voilà parce qu'en général, les aînés, vous êtes un peu condamnés. C'est-à-dire que vous êtes obligé de réussir parce qu'il y a beaucoup de pression en fait sur vous, parce que vous devez donner l'exemple aux autres. Aux petits, vous êtes un peu la personne qui prend la corde et qui lance et qui tire les autres. Oui. Donc beaucoup de pression. Comment tu arrives à gérer ça déjà? Bon, pour le moment, je gère bien parce que sur la facette la plus importante que j'ai, sur le fait de se débrouiller, de chercher à être indépendant, de ne pas avoir honte de chercher proprement son argent, le petit, il a pris. D'accord. Et ça, c'est déjà une fierté pour moi parce que je me dis, il a vu et voilà. Donc, c'est vrai que sur les autres points, c'est un peu compliqué. Ouais. Mais je me dis aussi d'une autre part, si je m'investis autant, c'est parce que j'ai une responsabilité. Comme il disait auparavant, après, à un certain âge, les parents, ils dépendent de nous. Mmh. Donc, quand tu es l'aîné et que tu as des petits frères, c'est à toi de te presser parce qu'à un moment, la responsabilité de ces petits-là... Bah, ils vont forcément te passer le relais à un moment donné. Ça vient sur toi. Donc, si tu réussis trop tard, tu mets en retard, en fait. Ouais. Tu mets en retard le petit, tu mets en retard la petite. Et moi, je ne Mais c'est surtout que tu laisses encore cette pression à la famille encore qui doit devoir gérer. Voilà. Parce qu'évidemment, quand tu es l'aîné, à un moment donné, que tu le veuilles ou pas... Ils vont te passer le témoin pour te dire, écoute, c'est maintenant ton rôle. Parce que l'aînée, quand c'est une femme, elle va jouer le rôle de la grande sœur et de la mère, de la maman. Quand c'est un homme, il jouera le rôle du grand frère et du père, évidemment. Bon, pour moi, ça ne me dérange pas. J'ai toujours été maman avec mère poule. En plus de ça, on est très proches. Donc tant mieux si vous l'êtes, ma chère. Évidemment, les amis, on arrive au terme de cette émission. Ça allait très vite, on a beaucoup de choses à se dire. On a essayé de grandir, on a grandi pendant cette émission-là. Justement, avant de se quitter, est-ce qu'il y a vous voulez saluer certaines personnes, Talita, est-ce que tu veux remercier papa et maman de t'avoir aidé à grandir, justement? Bon, oui, je remercie mes parents pour le soutien moral, psychologique qu'ils font pour moi. D'accord. Je remercie aussi toutes les personnes qui me soutiennent via toutes mes pages, qui voient mon évolution, qui me soutiennent dans ça parce que au-delà de tout, il y a aussi ces personnes à cette communauté-là. En tout cas, tu remercies un peu toute ta communauté, les gens qui te suivent. Et je remercie aussi Régis pour l'opportunité. Mais Génération News, c'est la maison, tu reviens quand tu veux. Les amis, vite fait, parce qu'on arrive au terme de cette mission. Fabre, en deux mots, vite fait. Alors, je remercie, on va dire, la famille Marocco, voilà. D'accord, mon cher Luxin. Je vais saluer mon père et faire un coucou à mes amis. D'accord, on salue papa et on fait le coucou aux amis. Vous l'aurez compris, c'est la fin de cette émission. On se donne rendez-vous samedi prochain pour d'autres thématiques liées à la jeunesse. Et d'ici là, n'oubliez pas, quoi qu'il arrive et quoi qu'il advienne, gardez le sourire en compagnie de nos programmes.